Je m'appelle Marie-Geoffrey Roustide, je suis sociologue, chercheur à l'INSERM, au Centre d'études des mouvements sociaux. Je travaille sur les politiques des drogues et les comportements d'usage des consommateurs de substances psychoactives. Et j'interviens prochainement dans l'automne de la science dans les bibliothèques de la ville de Paris. Alors en fait, dans le cadre de la pandémie de Covid, j'ai mis en place avec mon équipe différentes études sur l'impact du Covid sur la consommation de substances. Donc j'ai coordonné le volet France de la Global Drug Survey, qui est une enquête internationale qui se déroule en ligne et qui est menée dans une vingtaine de pays dans le monde. Et donc nous avons interrogé environ 7000 personnes en France pour la Global Drug Survey, pour mesurer l'impact du confinement sur leurs pratiques. Et ce que nous avons mis en évidence, c'est qu'il y avait, enfin, le Covid n'avait pas obligatoirement donné lieu à une augmentation de la consommation des substances, mais à des comportements différenciés. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est par exemple qu'il y avait pu avoir une augmentation de la consommation de cannabis chez des usagers qui déjà avait une consommation problématique de cannabis avant le Covid, mais on a également mis en évidence que pour certains usagers de cannabis, d'alcool ou d'autres substances, le Covid avait été également un moment de pause dans les consommations parce que les lieux de sociabilité étant fermés, certains usagers avaient souhaité limiter leur consommation parce qu'en fait, la consommation était associée pour eux à la fête, et donc le fait d'être enfermé dans un appartement dans une période de confinement ne leur donnait pas envie de consommer des produits. Et puis, pour d'autres usagers, ça a été aussi un moyen vraiment de prendre soin de sa santé, de se dire « je vais utiliser cette période du confinement pour faire une pause dans ma consommation ». Bon, moi, dans le cadre de mon travail, donc je suis amenée à produire des connaissances scientifiques qui permettent d'orienter ensuite les politiques publiques. Donc, je suis très attachée à ces retombées pratiques hein, que mon travail de chercheur peut avoir. Je pense qu'il est important, en tant que scientifique, de pouvoir également permettre au grand public d'avoir accès à des données qui ne sont pas produites sur une base idéologique, mais sur une base scientifique. Pour transmettre des connaissances sur les risques qui sont liés à la consommation de substances psychoactives, mais aussi pour transmettre des connaissances sur les moyens de prévention qui existent, sur les modes également de réduction des risques, c'est-à-dire quand les personnes consomment, comment les aider à diminuer les risques liés à leur consommation. Et enfin, je trouve que c'est important également de rencontrer le grand public pour déconstruire un certain nombre de représentations que la population peut avoir des usagers de drogue, représentations qui sont construites exclusivement par le discours médiatique ou par le discours politique et qui tendent souvent à donner une vision très stigmatisante des usagers de drogue et en particulier des usagers de drogue les plus vulnérables.